capital humain important, très important, dit Gorfi. Alors, on va donner la parole à Jérôme Obédé Okoura, qui travaille pour la BASIAM Gabon, et qui est en charge du département fiscalité. C'est très intéressant parce que jusqu'ici, on n'a pas encore parlé de la fiscalité comme entrée, comme indice. Voilà, je vous laisse la parole, Jérôme Obédé Okoura. Merci. Merci tout d'abord à l'Institut Amadeus pour l'opportunité effectivement qu'il me donne ce après-midi donc d'intervenir sur cette problématique liée à l'attractivité et à la stabilité du continent africain au regard des indices Amadeus. Alors, ce qu'il convient de noter, c'est que, alors on a coutume de dire que réaliser des affaires, c'est prendre des risques. Donc il est évident que les investisseurs, avant de prendre des risques, donc le risque d'intervenir dans un pays, sur un territoire donné, eh bien, l'investisseur va souvent se mettre en position de veille stratégique. En d'autres termes, il va prendre un certain nombre d'informations sur le territoire où il veut intervenir pour s'assurer que le risque qu'il prend, eh bien, c'est un risque maîtrisé. Et parmi justement les informations qu'il est amené à collecter, il y a une dimension réglementaire, c'est-à-dire qu'il va rechercher des informations en rapport avec la législation, avec les règlements du territoire où il va intervenir, pour vérifier un certain nombre d'informations qui pourraient lui permettre justement d'anticiper les coûts de ses investissements. Et parmi ces coûts, il y a évidemment les charges fiscales. Donc très concrètement, l'investisseur va chercher à savoir sur un territoire donné à quel taux d'imposition l'entreprise que j'envisage de créer va devoir payer ses impôts. Elle va chercher à savoir, une fois que je réalise un bénéfice, à quel taux celui-ci va être imposé avant de remonter aux actionnaires qui sont situés en dehors du pays. Est-ce qu'il y a la possibilité de bénéficier de certaines exonérations fiscales? À quelles conditions? Est-ce qu'il y a des zones franches? Il va aussi se demander, est-ce qu'il existe une convention fiscale entre le pays où je souhaite investir et le pays où je suis implanté? Parce que le rôle d'une convention fiscale, justement, c'est de pouvoir un petit peu corriger les désavantages, entre guillemets, que peut présenter la fiscalité d'un territoire donné. Or, en faisant jouer une convention fiscale, ben, on peut justement retrouver les avantages qu'on ne retrouve pas en droit interne. Donc l'homme d'affaires va collecter ces informations, va les analyser, va les traiter, et ce sont des informations fondamentales justement sur la décision d'investir. Et c'est de ce point de vue-là, effectivement, que la réflexion sur l'attractivité justement du continent africain est intéressante parce que parmi ces indicateurs, justement, figure la fiscalité des États. Les États africains, quel environnement fiscal proposent-ils aux investisseurs non africains? Est-ce que c'est une fiscalité attractive du point de vue des taux, du point de vue des régimes qui sont proposés, des avantages? Est-ce que le réseau des conventions fiscales avec les pays que l'on souhaite attirer, est-ce que ce réseau est dense? Est-ce qu'il est étoffé? Ou alors il y a encore du chemin à faire. Donc, incontestablement, c'est un terrain et c'est un élément important dans la prise de décision d'investissement. Et il convient effectivement de considérer ce point. Et on est ravis de constater que c'est un élément qui est clairement pris en compte hein, dans les indices de l'Institut Amadeus, puisqu'il y a bien une ligne réglementation. Qui intervient dans la création, le développement des entreprises. Mais l'entreprise, lorsqu'elle se renseigne justement sur la fiscalité, elle ne s'arrête pas à la fiscalité de l'entreprise. Parce qu'elle sait que pour faire fonctionner l'entreprise, ben, elle a besoin justement qu'il y ait un dirigeant, c'est une personne physique, qu'il y ait des cadres qui animent cette entreprise, ce sont des personnes physiques. Donc elle a aussi besoin de s'assurer que les revenus que vont percevoir ces personnes-là vont être imposés à des conditions intéressantes, ou alors vont bénéficier de certains avantages fiscaux. Donc au-delà de la fiscalité d'entreprise, l'investisseur va s'intéresser aussi à la fiscalité personnelle, à la fiscalité d'une manière générale, pour s'assurer que
les dirigeants qui vont se rendre dans ce pays, ou les cadres qui vont se rendre dans ce pays, vont pouvoir justement voir leurs revenus soumis à des impôts, à des conditions qui ne soient pas très, très défavorables. Donc c'est incontestablement un élément de décision d'investissement qui est capital et qu'il convient effectivement d'apprécier à l'échelle continentale. Merci. Alors, nous avons la chance d'avoir Mohamed H. Minouche avec nous, ancien représentant de la Banque africaine de développement, la BAD, notamment au Sénégal. On a essayé de croiser du point de vue des instituts bancaires, des instituts finances, des cabinets d'évaluation politique. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un point de vue qui peut se situer au niveau des institutions qui sont à la croisée des politiques publiques, à la croisée du privé et du public. Alors, monsieur Mohamed H. Minouche, quel est votre point de vue sur H. Minouche? Ah, on ne prononce pas l'H, pardon, autant pour moi. Mohamed Minouche. Mohamed Minouche, la parole est à Mohamed Minouche, ancien représentant de la Banque africaine de développement, la BAD. Merci infiniment, très heureux de me retrouver avec vous et avec un panel d'experts nationaux et internationaux, et surtout venant du continent africain qui nous est très, très cher. Et je voudrais dire bienvenue à mon frère Job qui vient de Johannesburg où il a participé au Forum africain des investissements où des milliards et des milliards de dollars ont été mobilisés pour financer quelques grands projets, notamment d'infrastructures sur le continent africain. Le président Macky Sall, hier, il a dit que l'Afrique est bancable. Nous disons que l'Afrique est bancable. Donc, comment être bancable? C'est la question qui se pose. Alors, moi, je m'interroge sur l'opportunité d'un tel indice. Il y a tellement d'indices. Indice de la SFI, indice de la Banque mondiale, indice de la BAD, indice de la Fondation Moïbrahim, n'est-ce pas? Je veux faire l'avocat du diable. Je dis que c'est un indice africain. Oui, par les Africains. Il y a d'autres indices africains aussi. Donc, souvent, on ignore ce qui se passe ailleurs sur le continent. Donc, il y a un problème d'information. Et je pense que c'est une contribution de l'Institut Amadeus, c'est comme ça que je vois la chose, n'est-ce pas, à la réflexion. Alors, lorsqu'on se voit, on se met du côté de l'investisseur. Moi, j'étais du côté du bailleur, hein, donc c'était le financier. Mais si je me mets dans la position donc, de l'investisseur, la première des choses à laquelle je pense, c'est la stratégie de sortie. Exit stratégie. Je rentre dans un projet, mais je ne sais pas comment je vais sortir. Est-ce que la législation monétaire me permet de rapatrier mon investissement? Je parle en devise. Est-ce qu'il y a une régulation qui permet à l'investisseur de sécuriser son investissement? Quels sont les facteurs de production? Combien coûte l'électricité, l'eau, la main-d'œuvre, la fiscalité dont vous avez parlé? Pourquoi cherche-t-on toujours à bénéficier des exemptions fiscales? Lorsqu'un État donne de l'exemption fiscale, il faut qu'il négocie un contrat de compensation pour faire autre chose, chose que nous ne faisons pas. Pourquoi? Parce que nos États n'ont pas les capacités très fortes de négociation. Et toute la question se pose ici. Il faudra vous interroger. On vient de parler de fiscalité au Gabon. Je connais beaucoup d'entreprises qui ont investi au Gabon, mais l'État, à un moment donné, à cause de la chute des prix du pétrole, n'était plus en mesure de faire face à ses obligations vis-à-vis d'entreprises. Ici, au Maroc, on se plaint des arriérés que l'État a vis-à-vis des entreprises pour rembourser la TVA. N'est-ce pas? Donc tout ça, ça a un impact, parce que vous me parlez d'attractivité, très bien, mais il faut analyser, n'est-ce pas, sous toutes les formes. Donc c'est une évaluation à 360 degrés qu'il faut faire pour savoir si véritablement on peut aller. Alors, je vous invite à regarder aussi les FDIs, l'attractivité de l'Afrique, n'est-ce pas? Où vont les investissements? Quel est le volume des investissements? Vers quel pays ces investissements vont? Vers quel secteur ces investissements vont? Et à partir de là, vous allez tout de suite vous rendre compte qu'il y a des choses très importantes. Quand j'étais basé à Dakar, j'ai amené des investisseurs koweïtiens pour aller investir dans le secteur de l'industrie touristique au Cap-Vert, que je couvrais l'Afrique de l'Ouest.
La première des questions que ces investisseurs ont demandé aux autorités du Quebec, et le ministre des Affaires étrangères se trouve ici, quels sont les bons des facteurs? Combien de nuitées de touristes vous recevez par an? Parce qu'on va investir dans un projet qui va nous coûter 100 millions de dollars, mais si je ne peux pas amortir au bout de 5 ans ou de 10 ans, le payback, il faut que vous preniez ça en considération. On ne va pas s'incruster en tant qu'investisseur étranger de façon indéfinie. Et je voudrais revenir sur la question d'éducation qui a été évoquée tout à l'heure par mes prédécesseurs. La fuite des cerveaux. L'Afrique finance pour 800 milliards chaque année le système de l'éducation. À Dakar, au Sénégal, l'État investit 21% de son budget national dans le secteur de l'éducation. La première grande richesse de ce pays, c'est quoi? Ce sont ses ressources humaines. Ces ressources humaines, vous ne les trouvez pas au Sénégal. Elles sont partout. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'opportunité d'emploi et de création de richesses. Donc, comment attirer et interroger la diaspora africaine? Comment la ramener d'abord, n'est-ce pas, sur le continent, dans nos pays, etc. Donc, je pourrais élaborer beaucoup sur ces questions. Mais je termine en disant que nous avons toujours un problème avec les informations qui nous sont servies. Il y a, à mon avis, ce que nous appelons le « data integrity ». Les informations que vous avez, j'étais représentant de la BAD de l'Égypte, nous avions 6 taux de change différents. Un qui est donné au Parlement, un autre à la Banque centrale, un autre dans les hôtels, un autre au bailleur de fonds, etc. Sur quelle base vous allez évaluer? Quels sont les critères réels que vous allez avoir, etc. Ça, c'est un véritable problème, à mon avis, qui se pose ici et là. Et donc, nous avons aussi la taille du marché. Hein, est-ce que la Guinée-Bissau va attirer des investissements aussi importants? La RCA qui est là avec le problème de l'insécurité, etc. N'est-ce pas? On abordera la question de la sécurité tout à l'heure. Il y a des prérequis, et c'est un des critères fondamentaux. La paix, la stabilité, sans paix et stabilité, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'investissement, etc. Autre chose, et je termine, la fuite des capitaux. J'ai animé un séminaire à Montréal avec ce qui s'appelle chez eux les gens d'affaires sur les opportunités d'investissement en Afrique. Quand j'ai terminé ma présentation, on m'a applaudi. Mais c'est formidable, monsieur. Vous avez tellement d'opportunités d'investissement en Afrique. Et on a une question pour vous. Pourquoi vos leaders déposent leur argent chez nous et vous voulez que nous, on vienne investir chez vous? Faites confiance d'abord à vos pays et nous, on viendra vous accompagner. Je vous remercie. Merci. Michel Nidouche, CRH Nidouche. Alors, Michel Nidouche a beaucoup parlé d'investisseurs. On a la chance d'avoir autour de cette table des investisseurs. On va leur donner la parole. Je pense notamment à Michel Adélégan, qui vient du Ghana. Michel Adélégan dirige Joseph Adélégan, professeur Joseph Adélégan, pour être plus précis, fondateur de Green Global et ses messes en fonds d'investissement dans l'économie verte. Monsieur Adélégan, vous avez la parole. Thank you very much. I want to thank Amadeus Institute for inviting me to spend time. And yes, I highly appreciate this. And, I'm talking about this panel. The question I want to ask is that which we need to determine. The first thing is that there are several index out there. Why do we need another index? What value addition is Amadeus Institute Index bringing on the table? And I haven't had the person who present the index. I see serious value addition. For example, we have the Global Competitiveness Index by World Economic Forum. We have the More Environment Index, focusing especially on governance. We have the Ants and Young, had a couple of index on attractivity, and then we have a couple of these out there. But when I look at the concept node for the More Environment Index, I see serious value addition. When you look at a couple of other indexes, they are based on secondary data. They are based on certain ratios that are computed. They are based on a couple of extrapolation. Some include some econometric modeling, which are very complicated, which does not really reflect what happens in the African context. And for example, I look at the Ernst & Young report, where they did a perception survey of attractivity of African investment, looking at doing a survey for those who are actually investing in Africa that understood the risk. And they also did the same survey for those not in the African continent that are outside
They saw a big cut. Those investing in Africa that are there understand the risk. They knew how to mitigate against this risk. But those out there don't understand this risk. They thought that African continent is extremely risky. So we see this gap. So I see more Ibrahim Index balancing between these two. I anticipate that the data that more Ibrahim Index will use will be from the African continent, will be from those that actually invest in the African continent. And I think, to me, this is a great value addition. And then when you look at on the overall, I would say that the African continent is the second most attractive sub-region globally in terms of investment. If you look at the growth that we have seen in the Africa in the last 15 years, they are real, they are not fake. They are primarily what you call a kind of a saturation, you know, content, which is different from the cyclic, you know, change that you experience in post-colonial history, you know. And then these are real, and when you look at other countries that has all other continent that have followed this trend, we anticipate that this growth will continue in the next decade. In terms of infrastructure, we have seen between 2017 and 2018, we have seen the number of infrastructure project investment had increased. In terms of the volume of investment between 2017 and 2018, we've seen from about 84 billion, a little drop to 77. In terms of income generation, in terms of employment, it's on the rise. So I'm very positive about this. The African continent is a good, you know, sub-region for investment. In the next round, we'll put more light into that. Thank you very much. Thank you, Moucha Delegal. Alors, on va rester avec les investisseurs, entrepreneurs, les indices de l'attractivité vue par un entrepreneur. Votre voisin Yannick Lefond est président directeur général de Casi Insight. Vous avez la parole, Michel Lefond. Thank you for the Institute of Matters for inviting me. This is my first time in Morocco and my first time attending this event. It's my first time in Morocco. So I'm very happy to be here and really thank you for the hospitality. So I'm an African, I'm from Cameroon, and I started Casi Insight, which is a research consumer data and research company. And we are providing data, including indices, that are African-based and for Africans. Because I think we talked about having indices that are coming from Africa, but I mean, when we talk about why we want those indices and who are we addressing these indices to, we are addressing them to people that may not be Africans. So our view is that when you look at GDP, the majority of your GDP is driven by your local consumptions. We believe that, you know, the continent by itself has the population, the resources, whether it's human capital, whether it's natural resources, to sustain itself. So based on that assumption, we started to develop indices. And one of them, we have a family of indices now, and all our indices are based on primary data that we collect on the continent. We survey 5,000 people in Africa every month. We've been doing that for 3.5 years. The first index that we came up with is a consumer confidence index. Because for anybody who is, you know, serious about economic growth, driving prosperity, you know, it starts with confidence in your economy. How confident are Africans themselves about what's going on in Africa? So we track consumer confidence every month. We cover 7 countries, covering over 60% of the GDP of the continent, the main one from South Africa we're not covering North Africa yet. And obviously what you find is that, the African, we compare the African Consumer Confidence Index, which is, by the way, based on standard methodology used elsewhere, with, for example, the American Confidence Index. And we find that, you know, Africans, you know, are usually more confident. But when you drill down, you realize that a confidence index has two aspects to it. There's the current economic condition, which basically measures the ability for people to, you know, pay their bills, the ability for people to have to secure jobs. And you have the expectations, which measures the ability or the perception that people have in terms of the future. So while in the US, the confidence is driven by current economic condition,
In Africa, it's driven by expectation. So we do have a population that has a lot of optimism about the future, but are we tapping into that? So the second one that we came up with was the wellness index. So, and again, why are we using these indexes? And what kind of decisions are we going to make as Africans first, based on that information that we have? The wellness index is an interesting one. When we released the first one, the country that was performing the worst was essentially because you had people between the age of 20 and 29 that were heavily smoking and drinking, which is basically questions we ask people. And if you think about the demographic dividend of the continent of Africa that we are banking on, if these people between 20 and 29 continue to smoke and drink at the same rate, guess what? 10 years from now, they will be a biggest burden on our health system, which cannot even manage, you know, viral disease or not talking about NCDs. So we believe that there is need for more indices. Absolutely, I agree with the Analyst Institute. We believe that there is need for African index. We believe that we need to understand first why we want to use these indices and what kind of decisions can we make for the future of our continent so that we can use that information to guarantee our prosperity. Thank you. Je vais toujours rester avec les entrepreneurs, investisseurs. Baguette Bow est le président fondateur de l'Afrique Séchique World. L'Afrique Séchique World. Baguette, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais apporter très brièvement, dans ce temps de parole qui m'est imparti, une contribution aux indices Amadeus à travers l'indice de l'art de vivre. Alors, c'est un indice qu'on pourrait mesurer avec ce qu'on appelle communément les industries créatives et culturelles. Et je vais en citer 9, mais avec des exemples précis pour montrer à quel point cet indice peut être puissant en termes de création d'emplois, en termes de création de valeurs, en termes de création de sens, dans le cadre de l'imaginaire collectif que nous souhaitons tous et que nous avons évoqué tout le long de cette rencontre à Amadeus, que je remercie chaleureusement par cette invitation. Alors le premier indice, ce serait celui du tourisme, l'écosystème du voyage, qu'il soit le voyage d'affaires, mais aussi le tourisme de loisirs. On connaît la performance du Maroc, qui est un exemple en Afrique par rapport à l'exploitation de son balnéaire. Et j'en arrête là pour ne citer que cet exemple-là. Le deuxième indice, c'est le sport, les sports. Aujourd'hui, nous avons la NBA qui vient d'ouvrir la Basketball African League, qui est en fait une dimension africaine de ce sport du basket, qui va se traduire par 12 matchs qui vont commencer à Dakar à partir de janvier et qui se terminent à Kigali en mai. Donc à travers tout l'écosystème des sports, nous avons toute une industrie qui peut se mettre en mouvement pour créer à la fois les emplois et puis canaliser nos jeunes vers des activités qui sont génératrices de valeur, sans oublier toute la partie entertainment que le sport diffuse. Très rapidement, la gastronomie. Nous avons beaucoup de recettes qui sont aujourd'hui sous-exploitées et on sait à quel point la gastronomie peut être un outil de diplomatie culturelle. Tout ce qui est décoration d'intérieur avec le mobilier africain. Nous avons beaucoup de menuisiers en Afrique. Pour vous donner un exemple, dans ce domaine de décoration intérieure et mode, au Sénégal, nous avons entre 300 000 et 500 000 tailleurs. Pourquoi cette fourchette? Parce que le tailleur est tailleur pendant la saison sèche et agriculteur pendant la saison des pluies. Donc vous avez un demi-million d'individus qui aujourd'hui sont actifs sur ces métiers à intelligence manuelle qu'il convient de canaliser. Et enfin, vous avez les arts, les 9 arts, de l'architecture jusqu'aux arts visuels, en passant par la musique, la danse, tous ces savoir-faire. Il y a une discipline qu'on appelle en Occident la mixologie. La mixologie, c'est l'art de créer des cocktails avec nos jus et nos fruits traditionnel. Vous savez que l'Amérique latine est reconnue aujourd'hui par sa capacité à faire rêver le monde par ses cocktails et toute l'industrie fruitière qui est en Côte d'Ivoire, et qui est au Maroc, qui est au Sénégal,
représente des gisements d'emplois inestimables. La mode et le textile, évidemment, je l'ai abordé. Le digital, on parlait hier d'infrastructure physique, mais le digital est aujourd'hui notre infrastructure virtuelle qui permet de relier Tanger à Dakar en un clic. Un clic, c'est une fraction de seconde. Extrêmement puissant pour décloisonner nos territoires et créer de la proximité où que l'on soit, un peu partout. Et enfin, je termine par la petite enfance. Nous avons un agenda qui est un agenda de 2063. 2063, à l'ère du digital, c'est un siècle, c'est un millénaire. Donc ça veut dire que le travail que nous sommes en train de faire ici et dans d'autres cercles, et j'en termine, c'est un travail qui doit inclure la petite enfance. Je travaille actuellement sur un projet qui consiste à digitaliser les jeux et les jouets traditionnels du Sénégal. L'Agence nationale de la petite enfance a nomenclaturé 120 jeux physiques traditionnels et 400 contes qui transportent les imaginaires africains depuis les contes d'Amadou Koumba jusqu'à, je vais dire, Kirikou, volontairement provoquant, sans oublier Black Panther ou Disney qui utilise beaucoup d'imaginaires africains pour faire le Roi Lion. Et l'objectif, c'est qu'à travers ces secteurs d'activité, de créer tout l'univers de la bande dessinée, de créer tout l'univers des films d'animation et de créer tout l'univers des plateformes de jeux vidéo avec des histoires inspirées de l'Afrique nord, sud, est, centre, ouest. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Maguette pour ces indices assez originaux. Bon, on a entendu de l'OED à l'SNIA. Puisque nous avons la chance d'avoir un représentant du cabinet Mazar, du job, on va essayer de demander à Abdou si à Mazar il tient compte ses indices art de vivre, mixologie, sport, sens de la clé. Abdou Diop, qui dirige le cabinet Mazar au Maroc. Abdou, vous avez la parole. Merci beaucoup pour me donner la parole. Et encore une fois, mes excuses, parce que c'est vrai que non seulement je viens de Johannesburg, mais en plus, il fallait saluer le président avant son départ, donc ce qui fait que ça m'a un peu retardé. Donc, juste pour dire que pour moi, effectivement, l'existence d'un index qui cible un certain nombre de critères particuliers est essentielle. Pourquoi ? Parce que d'expérience, moi, ça fait maintenant plus de 20 ans que. Effectivement, je suis sur le continent et accompagne beaucoup d'investisseurs. Je pense que si on suivait uniquement les index d'attractivité occidentale, aujourd'hui le Maroc n'aurait jamais eu la position qu'il a en Afrique sur le plan économique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a commencé à accompagner les grands groupes marocains dans leur développement sur le continent au moment où les papes de l'attractivité disaient que le continent était le hopeless continent. Donc, c'est pour dire que l'indice tel qu'il est produit par rapport à des standards qui peuvent être en tout cas, vu du prisme occidental, peuvent ne pas être des indices pratiques pour nos autres investisseurs du continent. Donc, il est nécessaire à chaque fois, effectivement, de pouvoir avoir ce prisme de lecture africain et ce prisme de lecture continental. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est pour dire aussi que, en tant que praticien du terrain, il est important d'être cautious, d'être très prudent par rapport à un certain nombre d'indices. Et de critères qu'on intègre dans les indices d'attractivité. Je prends des exemples très simples. Quand on parle de fiscalité, c'est vrai que la fiscalité est un élément important pour l'attractivité économique d'un pays, mais aujourd'hui, de plus en plus, on ne regarde pas le coût fiscal uniquement. On regarde surtout la stabilité à long terme des politiques fiscales. Donc c'est une lecture qui est très différente de regarder le coût fiscal du moment. Parce que le coût fiscal du moment, c'est une chose. Mais si le pays a une tendance à tous les 3 ans, 4 ans, changer, ne pas avoir une visibilité fiscale à long terme, ne pas avoir une politique fiscale, ça pose problème. Et bon, on l'a vu dans certains pays, même au Maroc à un moment, dans le secteur privé, parce que c'est vrai que j'ai eu pendant longtemps la casquette aussi du secteur privé, le fait d'avoir une visibilité fiscale à long terme est important. C'est exactement la même chose pour la lecture de la stabilité politique. C'est vrai, quand on parle de stabilité politique, souvent les gens citent l'exemple du
du Sénégal dans le cadre de la stabilité politique, parce qu'il y a des alternances, effectivement, avec un jeu démocratique. Oui, mais on a beaucoup critiqué, des investisseurs internationaux ont beaucoup critiqué le Sénégal à un certain moment, parce que même si on a une stabilité politique avec des alternances et autres, il y a par moments des décisions qui ont été prises par des dirigeants à contre-courant de leurs prédécesseurs. Donc la stabilité politique y est certes, mais la stabilité dans les décisions politiques n'y est pas. Donc la lecture des index doit être extrêmement importante. Et au-delà de ces facteurs, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit vous, la qualité de vie est un facteur extrêmement important. Aujourd'hui, on est dans des développements à l'international où avant tout, on a des hommes qui sont au cœur de ce développement. Quand un pays offre une attractivité économique, mais que vous ne pouvez pas y déplacer les ressources humaines que les gens peuvent se déplacer, c'est clair que la notion d'attractivité peut être totalement remise en cause. Aujourd'hui, effectivement, à Johannesburg, le président Ramaphosa a beaucoup insisté pour rassurer les gens sur ce qui s'est passé ces derniers jours en Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud a beau être attractive, si derrière les gens ne se sentent pas à l'aise, ne se sentent pas en sécurité, n'ont pas la qualité de vie, forcément cette attractivité est remise en cause. Maintenant, pour moi, au-delà des critères usuels de protection des investisseurs, de réglementation, etc., à côté de cette qualité de vie, il y a un certain nombre de sujets qui sont essentiels pour l'attractivité. La collectivité, bien sûr, est essentielle. Quand je dis collectivité aérienne, terrestre, portuaire, etc., c'est un sujet essentiel. Quelqu'un en a parlé, l'accès au marché. Effectivement, l'accès au marché aujourd'hui, c'est vu en termes d'intégration régionale. Aujourd'hui, les entreprises investissent au Rwanda. Le Rwanda, c'est un minuscule marché. Forcément, les gens ne vont pas au Rwanda pour le Rwanda. Ils vont au Rwanda parce qu'il y a une collectivité avec les différents pays de la région au-delà du doing business. Donc cette intégration régionale, aujourd'hui, va être de plus en plus un élément clé dans les critères d'investissement. Un point dont on n'a pas parlé aussi, et qu'on voit au quotidien quand on va dans un certain nombre de pays accompagner des investisseurs, c'est le tissu du secteur privé. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'investisseurs ont envie de travailler, de créer des partenariats avec le secteur privé local. Quand vous n'avez pas un secteur privé fort, c'est quand même un frein à l'investissement. Il ne faut pas se dire que l'investisseur vient parce que... Non, ceux qui investissent à long terme ont envie de construire avec le secteur privé local. Et la force du secteur privé joue un rôle extrêmement important. Autre élément très important, c'est comment le pays est arrimé aux chaînes de valeur mondiales. Cet arrimage aux chaînes de valeur mondiales qui fait que quand vous investissez, vous êtes dans un secteur et vous savez que vous êtes dans ce secteur arrimé aux chaînes de valeur mondiales, que ce soit aujourd'hui, on prend l'exemple de l'automobile au Maroc, de l'aéronautique, et parce qu'on s'est greffé à des chaînes de valeur mondiales et que ce greffage à ces chaînes de valeur mondiales permet de dire à des investisseurs, écoutez, nous sommes sur un marché globalisé, ce pays est dans tel secteur arrimé aux chaînes de valeur mondiale, on vient se positionner parce qu'effectivement, il y a cet arrimage. Ça aussi. Vous avez commencé à faire la pousse de la parole. Trois mots. Le vivier des ressources humaines est aussi important. La monnaie. Et la monnaie, ce n'est pas une question de stabilité. Aujourd'hui, mes amis d'Afrique centrale le savent, on peut avoir toutes les lois qui vous disent vous pouvez rapatrier vos devises, vous pouvez faire ça. Mais aujourd'hui, on se trouve en pénurie de devises. Je veux rapatrier mes devises, je ne peux pas. Je fais comment? Donc ce n'est pas uniquement une question de loi, c'est aussi une question de pratique et de réalité. Et un dernier point, parce qu'il y a beaucoup de professionnels services qui sont là. Aujourd'hui, de plus en plus, on a besoin d'avoir dans les pays une certaine qualité des professionnels services. C'est vrai, effectivement, les grands cabinets, que ce soit d'avocats, etc., qui puissent accompagner ces investisseurs. Quand vous ne développez pas ce tissu-là, qui permet à l'investisseur de se dire, ah tiens, moi je vais être accompagné par EY, Price, Mazars ou autres, ou Burdenberg, les cabinets juridiques qui sont sur place, c'est un élément d'attractivité pour rassurer. Les gens de plus en plus regardent à cela. Est-ce que je vais avoir un traitement juridique, fiscal, comptable de classe mondiale ou non? Donc voilà un peu ce que je voulais dire dans les indices d'attractivité pour dire que totalement d'accord d'avoir un indice parce que effectivement chaque indice a son prisme de lecture intéressant, mais il faut qu'on puisse adapter ces indices et avoir une lecture un peu plus pratique du terrain et moins théorique de nos headquarters, ce qu'on fait souvent en publiant régulièrement, et nous autres sommes
inscrits en deçà des études, mais qui sont faits par des gens qui sont au territoire et non pas sur le terrain. Merci Abdou Diop, du cabinet Mazas Maroc. Alors avant de donner la parole aux politistes et aborder les questions de gouvernance et de sécurité, qui paraissent très importantes, sinon l'un des critères les plus importants, j'aimerais donner la parole à Franklin Kudjo, qui nous a rejoint, qui est président fondateur et directeur général d'Imani Africa. Je pense que vous avez un peu raté la présentation de M. Gorfi. J'aimerais bien avoir votre point de vue en tant qu'entrepreneur sur les critères rapidement d'attractivité. Qu'est-ce que vous, en tant qu'investisseur, vous mettez en avant comme indice? Well, thank you very much. I run a think tank. Maybe I'm a think tank entrepreneur, rather than the very hardcore entrepreneurs who are speaking here, actually. But thank you for having me. Let me just say that I'm sorry, I was late because there was a 4-hour drive from Casablanca. Anyway, first of all, a lot of what I've heard is very encouraging. I must say that as a think tank, we try to audit some of these indices ourselves. And 2 years ago, we did an audit of Ghana based on the Economic Freedom of the World report. And we normally tend to also look at the World Bank, the ease of doing business. But we just learned to our disappointment that Ghana plummeted 4 spaces from 140 to 180, given all the things that Ghana is doing. We think it's quite depressing, which is where I like to pitch camp. You see, you can conduct indices for all you want, but we must also be mindful of the fact that if we are discussing attractivity, or how attractive a country or continent should be, we must be mindful that it's not just money that makes things move, but the quality of policy making, sound policy making in a country or on a continent is what eventually would attract people or investors into your domain. And by this, what do I mean? I mean, policy making must be sound, not always sound, but it must be predictable, it must be innovative, it must be, I think it must also be interesting that they are in tune with the times. Maybe that's the same as being innovative. I tend to look at how Nigeria, Big Brother, in the sub-region, and indeed in the continent, wants to take advantage of the Africa Free Trade Area. But at the same time, it's encouraging policies that are quite restrictive, that are protectionist. And I ask myself, how is an investor who is interested in investing in the West Africa sub-region to take advantage of the population, probably 400 million people, going to look at Nigeria's restrictive policies and think that they can go past it You can't, because Nigeria is a big one. And all these other little markets really should have added to the pack. But here you have a situation where a big country like Nigeria is undertaking inward-looking policies that do not inure to the benefit of investors who are looking at the bigger picture. You can say same for Ghana. I mean, Ghana has decided through its rather interesting investment laws to restrict retail trade to only Ghanaians. And that means that we also have the liberty to prevent Nigerians from coming to trade in our market. That I don't think is right. Okay. Closely, let me just add one more point. I think one of the things we need to start looking at is the level of, should I call it indigenization, that local content and its abuse by some countries. I mean, you tend to look at the fact that local content is good. I mean, it's good to encourage your own domestic entrepreneurs to take up the commanding heights of the economy. But it's also very important to note that we should not just be based on patriotism. It must be backed by serious financial muscle. And we have studied, I think, done a study in about 8 markets in 5 sectors, and all we see that there's this penchant by African countries to think that it is time to indigenize, but forget the crucial matter of how ready we are. Maybe if I may add one last one, as the time
the cost and the quality of commercial arbitration. You know, that is so much important that any investor looking into this market must be assured that in their commercial disputes, they are delivered in a timely and efficient and non-partial manner. Thank you, Okojo. Nous avons la chance d'avoir avec nous Abdullah Libani. Abdullah est président directeur général de l'Institut des hautes études en management, une école basée à Bamako, au Mali, et surtout à Delan, et le fondateur du Forum de Bamako, qui est une des plus vieilles rencontres Forum d'Afrique, qui aura ses 20 ans d'ailleurs. Donc je donne la parole à Abdullah, d'autant plus qu'on a très peu entendu sur ces indices et critères d'attractivité la question de la sécurité. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel et surtout en faisant de la provocation. Allez-y. Vous voyez, quand on parle d'indice d'attractivité, moi, je prendrais un élément important qui est la présence des djihadistes dans une zone. Les djihadistes ne vont pas dans une zone où il n'y a rien. C'est des investisseurs parce qu'ils sont intelligents. Ils vont là où il y a quelque chose d'important. Donc ça, c'est très attractif. Et les autres, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de l'Afrique comme le continent de l'avenir. Et quelle que soit la présence de la menace, lorsqu'il y a des opportunités, les gens viendront. En business, on dit que tout ce qu'on gagne est la rémunération du risque. Il faut toujours retenir ça. Plus on a des chances de gagner, plus on prend des risques. Donc pour moi, il faut que nous ajustons nos éléments d'indicateurs d'évaluation. Alors pour aller à l'essentiel, parce que je dois parler de sécurité, je lui disais tantôt, dans notre zone sahélienne, il y a beaucoup de djihadistes. Et on a tendance à mettre l'accent sur les volets militaires pour amener la paix. Mais le premier élément d'insécurité pour moi, c'est le chômage et le manque de perspective. Premier facteur d'insécurité, chômage et manque de perspective. Et donc, si on veut avoir la sécurité, c'est de donner la perspective, des perspectives à la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, certains ont parlé tantôt, en parlant d'attractivité, qu'il faut donner de l'éducation. Mais lorsque vous donnez de l'éducation à des gens qui n'ont pas de travail, ils deviennent encore plus dangereux. Et c'est ce qui arrive souvent dans beaucoup de nos pays. Donc il est très important de donner de l'éducation, de préparer du travail pour tous ces gens qui viennent sur le marché du travail. Ça devient un élément, un facteur de sécurité. Alors comment faire pour maintenant donner du travail à tous ces gens. Nous pensons qu'il faut mettre au cœur du dispositif ce qu'on appelle la gouvernance territoriale. Parce que ce qui se passe de plus en plus dans nos différents pays, nous avons tendance à étouffer la diversité au profit de l'unicité. Et c'est la meilleure façon, encore une fois, de créer de l'insécurité, alors que la richesse est dans la diversité. Et il est important que, lorsqu'on met cet élément en place, qu'on voit maintenant comment faire pour donner des ressources aux gens. Un, pour financer l'éducation, la santé et pourquoi pas gagner un peu plus d'argent. Et ça passe par l'augmentation de la production, notamment la production agricole, parce que nous avons des pays généralement où la terre est fertile et on peut produire beaucoup. Mais les paysans ne gagnent pas assez, ne vivent pas de leur produit. D'où l'importance pour la sécurité d'augmenter la productivité pour donner plus de ressources aux paysans. Et avec l'excédent de l'argent qu'ils vont gagner, ils vont financer l'éducation, la santé. Mais mieux, l'avantage dans ça, pour un facteur de sécurité, c'est que notre destin ne dépend plus. À travers la production qu'ils vont faire, on va transformer. Et c'est dans la transformation qu'on va donner du travail au maximum de jeunes dans cette zone désœuvrée. Et une fois qu'on aura fait ça, nos pays deviennent des pays souverains. Parce qu'aujourd'hui, nos pays dépendent des prix fixés ailleurs. Alors que si nous transformons localement, notre destin est en nos mains. Mais maintenant, le problème n'est pas de produire seulement. Une fois que tu produis, il faut vendre. Mais pour vendre, il faut écouler. D'où les besoins d'infrastructures. Alors vous voyez, quand on parle d'attractivité, il y a beaucoup de détresse économique dans les pays dits développés. Ces gens sont pressés de venir chez nous pour travailler dans les infrastructures. Ils ont intérêt à venir. Et il y a des milliards. On parle de besoin de 100
à 300 milliards de dollars de besoin d'investissement en infrastructure. Parce que lorsqu'on produit et qu'on n'arrive pas à écouler les produits, on crée des problèmes. Et il nous faut, nous, maintenant, commencer, parce que j'entendais parler il n'y a pas longtemps de zone de libre-échange. Mais il n'y a pas d'échange sans production. Le préalable à l'échange, c'est les produits. Donc il nous faut d'abord produire, créer des routes maintenant pour écouler ces produits vers les zones de commercialisation. Et c'est seulement à partir de là qu'on peut parler d'intégration économique. Donc tout ça devient pour moi des éléments de sécurité, sécurité humaine. Je sais que le temps est compté, je vais m'arrêter là, mais je voulais dire quelque chose d'important. Si nous voulons avoir la paix et la sécurité, il nous faut faire les choses en fonction de notre culture, de nos réalités. Le danger de l'Afrique, nous voulons trop imiter les autres, nous ne sommes pas eux, nous ne sommes pas nous, nous flottons. Je m'arrête là. Merci Abdelah. Nous avons avec nous autour de la table deux chercheurs. Je vais donner la parole à l'une d'entre elles. Donc, nous avons rejoint notre table ronde Yousra Amourabi. J'espère que je ne sais pas le nom. Vous êtes professeur assistant, professeur de sciences politiques à l'Université internationale de Rabat. Yousra, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'étais un petit peu confuse lorsque j'ai écouté le début du panel et ensuite au cours du panel parce que Son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Éducation de Centrafrique, parlait de l'éducation suivie du professeur Nguessan. Et puis ensuite, tous mes autres collègues ont parlé des critères proprement financiers, économiques ou monétaires. Et alors, quand on parle d'attractivité en Afrique, je pense que il y a deux questions qu'il faut se poser si on veut penser ces critères. D'abord, est-ce qu'on est en train de penser l'attractivité au sens financier économique pur ou l'attractivité au sens large? Parce que si c'est l'attractivité au sens large, dans ce cas, il faut penser les critères en fonction de leur souplesse et de leur polysémie. Alors là, j'ai beaucoup entendu parler de risques d'impayés, d'exonération fiscale, de l'imposition, de stratégie de sortie, de stabilité, de taux de change, etc., etc. Ce sont des critères très précis. Et qui, comme le soulignait Madame Rivière, ne peuvent pas être appliqués partout, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Donc la réponse à la première question, ce serait penser les critères, non pas en fonction de ces premiers, mais plutôt de la polysémie, de la capacité de souplesse de ce critère. La deuxième question, je pense qu'il faut se poser, pour pouvoir avoir une discussion tous ensemble, économistes et politistes, c'est quel est l'objectif ici? Quel est l'objectif de l'attractivité? Veut-on attirer n'importe quelle firme à n'importe quel prix politique ou écologique? Parce que penser l'objectif, c'est penser aussi le critère. Penser à un taux de change, à une exonération, à un taux d'imposition, ce n'est pas pour n'importe qui et pour n'importe quoi. Donc il faut aussi le penser en fonction de cet objectif. Alors, certains indices ont des objectifs clairs, par exemple les indices de monitoring qui ont des objectifs politiques clairement déterminés, d'autres le sont moins. Et je pense que pour penser au-delà des critères financiers ou économiques et penser l'attractivité du continent, un bon point de départ serait la notion de sécurité humaine telle qu'elle a été définie par l'ONU, puisqu'elle comprend un ensemble de champs. D'abord, la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire, la sécurité culturelle, la sécurité économique dont on parle beaucoup ici, la sécurité environnementale, la sécurité physique qui a un rapport avec notre sécurité à nous dans l'espace public, en tant que femme mais aussi en tant qu'homme, et puis la sécurité politique aussi, et là on parle de stabilité bien sûr, on parle aussi de protection des droits de l'homme, et on parle de dynamisme culturel et pas simplement des divertissements. Et lorsque je parle de protection des droits de l'homme, c'est important puisque on veut peut-être investir dans un pays, mais est-ce qu'on veut que nos enfants vivent dans ce pays? Est-ce qu'on veut y passer notre vie? Ce critère devient dès lors très 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 important. Et puis, on pourrait rajouter à tous ces critères de la sécurité humaine quelque chose dont a parlé Abdoujab, qui est la connectivité. Et là, on pourrait parler plus largement de mobilité. Des infrastructures sont importantes, mais la capacité d'aller d'un pays à l'autre est aussi, je pense, un critère qui est essentiel. Et pour répondre à la deuxième question,
celui de l'objectif, la réponse réside là dans l'éducation. Monsieur le ministre l'a souligné à juste titre, nous avons besoin de renforcer, de penser notre système éducatif, pas simplement en copiant d'autres modèles, mais en le pensant en fonction de nos propres besoins. Et là, pour ce faire, je pense qu'il y a un certain nombre de choses à prendre en compte. On sait bien former des ingénieurs, on sait bien former des médecins, on sait bien former des personnes dans d'autres secteurs qui sont hautement qualifiées, mais est-ce qu'on a des bons systèmes d'échange interuniversitaire ? On parle beaucoup de SLECA, d'échanges économiques. Je pense que renforcer les échanges universitaires eh bien, permettront naturellement de renforcer les échanges économiques. Deuxièmement, est-ce qu'on veut sectorialiser l'éducation comme on le fait dans d'autres pays ? Est-ce qu'on ne veut pas rentrer dans les business schools des cours de sciences humaines, sociales et environnementales, de culture générale, d'économie politique, pour savoir non seulement comment on fait du management, mais pourquoi, quel est l'objectif de tout cela ? Donc, et puis dernièrement, intégrer la diversité des langues plutôt que de la rejeter dans le système éducatif. Donc ça, ce sont quelques points de départ pour penser cette amélioration. Merci beaucoup. Merci Yousra Bouradi, professeur de sciences politiques à l'Université internationale de Rabat. Nous avons notre chercheur, Olivier Do. Olivier est consultant en politique publique et chercheur associé au laboratoire du LAIOS à la Sorbonne. Olivier, vous avez la parole. Merci beaucoup et c'est un privilège du coup de conclure cette discussion. On est finalement le dernier à parler. Voilà, sur les économistes. Et alors, je voulais peut-être commencer par là. J'ai aussi une autre vie quelque part il y a une dizaine d'années puisque j'ai travaillé en tant qu'économiste junior on pourra se comprendre avec les économistes sans doute, mais dans une grande banque française, justement sur un département de risque pays, en réalité. Donc la priorité était finalement de calculer les risques éventuels que pouvait prendre la banque à prêter ou financer un État ou une entreprise ou un projet d'investissement dans le pays déterminé. Et donc en tant qu'économiste, nous étions amenés finalement à réaliser des pays qui prenaient très classiquement les grands thèmes qui ont pu être évoquer les grandes entrées avec un risque politique qui était assez rapidement calculé selon des critères un peu rapides sans doute pour un politiste et les économistes en revanche s'attachaient beaucoup, qui étaient les majoritaires bien sûr dans le service, s'attachaient beaucoup aux critères plutôt bancaires, systémiques, macroéconomiques, politiques budgétaires et monétaires. Et pourtant, en fait, je voudrais articuler mon intervention sur cinq grandes questions, en réalité, et déconstruire un petit peu cette approche et la problématique de la mise en chiffre. D'abord, la question du potentiel. On voit bien que ces dernières années, d'ailleurs, et sous l'effet notamment des progressions des transferts monétaires des digitaux, en Afrique, certains pays ont carrément été amenés à réévaluer les calculs de mesure du PIB, qui étaient pourtant finalement comme des règles d'or, finalement, gravées dans le marbre dans la façon d'appréhender la richesse d'un pays. Et on a pu avoir des pays comme le Kenya, le Nigeria, dont le PIB ont été très fortement réévalués, parce qu'on s'est rendu compte tout simplement que les échanges étaient bien supérieurs. Et donc les richesses étaient bien supérieures dans ce pays. On peut mettre en question finalement la question de la mise en chiffre est très compliquée dans les économies africaines et assez incertaine. Il y a finalement, et pour vous dire, je parlais de la banque dans laquelle je travaillais, donc je peux vous le dire, mais finalement qu'on était amené à calculer finalement un potentiel de croissance par exemple et qu'on avait une discussion avec les autres économistes, la plupart du temps, quand vous aviez des prévisions, des perspectives de croissance un peu différentes, trois prévisions par exemple, une donnée par le FMI, une donnée par peut-être The Economist Unit ou une troisième autre donnée par la Banque mondiale, généralement la réponse des économistes seniors était plutôt fait une règle de trois. Donc additionner trois et multiplier trois et ça trouve la moyenne. Et voilà la prévision de croissance que nous pourrions indiqué dans cette fiche. Donc vous voyez, en fait, il y a une part d'incertitude. Et l'économie, bien qu'elle soit une science, et reste une science sociale, et les politistes, et les sociologues d'ailleurs, aiment bien le rappeler. La deuxième question, qui serait moins longue, c'est la question de la confiance. Comment mesurer la confiance ?
Alors il y a une dimension autoréalisatrice qui a très bien été soulignée par les interventions précédentes. Finalement, la confiance s'auto-entretient et génère finalement ses propres effets économiques et ses effets de croissance. Mais c'est pourtant quelque chose qui est extrêmement dur, et par quel indicateur la saisir ? C'est extrêmement dur à saisir. La troisième question, c'est plutôt une question politique, c'est ce qu'on veut observer en tant qu'asymétrie. Et c'est là où je rejoins tout à fait ce qui a été dit aussi sur, finalement, qu'est-ce qui peut intéresser un investisseur, c'est peut-être aussi des approches locales, des approches territoriales au sein des pays, quelles sont les villes qui sont attractives, quels sont les territoires qui font sens. Et on voit bien d'ailleurs qu'un pays comme le Maroc, par exemple, sur la question de l'environnement des affaires, et avec tous les progrès qu'il a pu faire dans les classements de Doing Business, est aujourd'hui en train d'étudier la façon dont il va régionaliser ses indicateurs, parce qu'il y a une conscience aussi que finalement ce qui est essentiellement mesuré dans l'environnement des affaires au Maroc, c'est la performance de la région de Casablanca aujourd'hui. Mais vous pouvez avoir des environnements finalement de business un peu plus compliqués dans certaines autres régions du pays, et c'est d'ailleurs cette approche régionalisée est absolument pertinente. Il y a une asymétrie, il y a des asymétries, et il y a des asymétries à la fois politiques et économiques. Il y a des asymétries économiques où il y a des choses, des agrégats qui masquent finalement. On a parlé des asymétries de pouvoir et la question de pouvoir négocier avec les entreprises qui apportent des idéaux dans un pays, la capacité des gouvernements à négocier avec elles. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces idéaux? Est-ce qu'un pays qui attire beaucoup d'idéaux est pour autant extrêmement attractif? Est-ce que les idéaux sont les bénéfices générés par les investissements des idéaux sont réinvestis dans le pays ou sont rapatriés? C'est aussi des choses qu'il faut regarder de près, finalement, quand on décompose certains indicateurs et ne pas être, entre guillemets, piégé. Ce sont des indicateurs pertinents, mais il faut regarder un petit peu ce qu'il y a derrière également. Et puis, il y a des asymétries politiques. Et elles sont dures à appréhender. Vous voyez qu'il y a certains régimes politiques qui ont des classes sociales ou des groupes sociaux ont plus de pouvoir que d'autres. Quelle est leur capacité finalement à étendre et à s'allier avec d'autres groupes sociaux pour générer, les associer à ce régime politique, pour générer un régime beaucoup plus stable? Et c'est une question éminemment importante parce que vous voyez qu'il y a des pays, notamment des pays africains, mais pas seulement, qui se sont énormément développés économiquement et qui pour autant sont restés sur une élite très restreinte qui a généré des contradictions sociales et des tensions extrêmement fortes. Et enfin, ma dernière interrogation, une question, et vous avez bien compris que c'était plutôt des interrogations finalement, c'est la question de la comparaison, de la comparabilité. Comment par exemple quand Franklin Cujo évoquait les questions d'arbitrage et de coûts d'arbitrage, comment on peut les comparer avec des systèmes de droit francophones qui utilisent d'autres types de justice commerciale. Donc comment comparer en fait des groupes de pays qui ont des régimes différents, par exemple de règlement des conflits commerciaux. C'est une question un petit peu technique et assez compliquée que sans doute d'ailleurs les cabinets conseils et les opérateurs qui sont autour de la table ont sans doute beaucoup planché dessus déjà. Voilà, je voulais conclure par là. Merci Olivier. Alors on a été trop ambitieux parce que puisque nous sommes rattrapés par le temps, je propose de donner la parole à la salle, s'il y a des questions, interventions, remarques dans la salle. Je vois Hadi Sarko. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule ou on pose des questions comme ça. Peut-être il y a un micro, le micro à Hadi qui est là. Alors présentez-vous et dites à qui vous souhaitez adresser vos questions, votre question. L'adresser à tout le monde aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci Ousmane. Je te retrouve avec un grand plaisir. Mes questions, avant tout, s'adressent à tout le monde, mais aussi s'adressent spécifiquement surtout aux discours qui sont en rupture. Parce que je vois que dans certaines interventions, cette sollicitation d'avoir d'autres paradigmes et même des indices made in Africa sont sortis. Mais aussi, permettez-moi de saluer aussi l'Institut que je remercie pour cette invitation. Et surtout, c'est vrai que c'est la première participation de notre organisation qui est la diaspora. On dit souvent que la diaspora est une parent pauvre.
quand il s'agit de concevoir des modèles de développement. Et la question que j'aimerais poser aussi bien aux praticiens de terrain, mais aussi à nos États, c'est ce manque de confiance que nous avons entre nous. Comment permettre aujourd'hui à ce que cette diaspora puisse être plus agissante pour qu'elle puisse intervenir dans des secteurs porteurs? Je pense que monsieur Minouche, c'est Minouche ou H Minouche? Minouche. On l'appelle monsieur H, d'accord. Voilà, monsieur H. Voilà, vous l'avez souligné, parce que c'est vrai que pour intervenir déjà, il faut cette confiance, mais aussi une certaine logique. S'il n'y a pas cette rupture de paradigme, cette rupture de modèle d'intervention, je pense que la diaspora préfère aussi amener son argent dans ses interventions dans des modèles classiques. Alors que l'idée aujourd'hui, c'est de faire du Made Africa et du développement endogène quand même un facteur de développement pour l'Afrique. L'Afrique, à partir de ses territoires, je pense que nous l'avons changé. Mais aussi, je rejoins un peu mon frère et ami Abdoulaye, que je salue, Koulibaly, qui aussi a parlé beaucoup de tout ce qui concerne cette dynamique de développement local. Parce que c'est vrai que c'est des territoires qu'on peut aujourd'hui concevoir un modèle de développement. Le développement macro, oui, mais les changements de vie des populations, c'est les petites initiatives à une dimension humaine au niveau local où l'impact est visible sur les populations. Et je pense que c'est là où on peut parler de tous ces facteurs. Que ce soit la sécurité, oui. Parce que la sécurité, c'est tout, avant tout le quartier, oui, où on vit, l'environnement où on est, on se connaît, les gens. Et je pense que les facteurs qu'on peut aujourd'hui tirer de modèle de développement, c'est accentué sur le développement local. Et surtout, ce que je voulais dire, parce que moi, je ne suis pas aussi dans le modèle de tout sécuritaire, parce qu'on ne sait pas qui sont en fait les terroristes, les vrais terroristes, c'est qui? Est-ce que c'est ceux qui s'oppriment les populations, ceux qui ne laissent aucune perspective aujourd'hui aux populations? Ce qui font qu'aujourd'hui, on est contraint d'aller presque mendier sur la scène internationale. Donc, il y a toutes ces questions qu'il faut reposer. Et dans un débat beaucoup plus serein, je pense que la diaspora est là, en tout cas, pour pas tendre la main, mais en tout cas pour ajouter sa voix. Pour ajouter sa voix à la voix du secteur privé, parce que beaucoup d'entre vous, peut-être, travaillent avec les États, mais aussi sont des hommes d'affaires, des investisseurs. Merci. Et qu'aujourd'hui, nous pouvons en tout cas aller dans un sens concerté. Merci. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, Abdallah, puisque Abdallah Koulibaly a été interpellé, Abdallah, tu as gagné un second rang de parole. Et Minouche, monsieur Minouche, qui a aussi été interpellé. Je crois qu'il y a une seconde question. Je note déjà les deux questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Donc peut-être je laisse Abdallah Koulibaly et M. Minouche répondre, et si d'autres intervenants veulent prendre la parole à la suite de M. Minouche et Koulibaly, possible. M. Koulibaly ou M. Minouche, Koulibaly. Vas-y Abdallah. Non, moi je passe. On a fui son interpellation. Mais... D'accord. Non, je partage totalement ce qu'elle dit. Comme je savais que le temps était assez court, je n'ai pas voulu trop prolonger ma discussion. Mais ce qu'elle dit qui est réel, parce que quand on regarde les causes profondes de l'insécurité, c'est aussi la mal gouvernance. C'est ça, en réalité. C'est aussi une forme de terrorisme, la mal gouvernance. Parce que si les choses étaient gérées comme ça devrait l'être, je pense qu'il y aurait moins d'anarchie dans les territoires. Et si on responsabilisait assez correctement les chefferies traditionnelles, les pouvoirs locaux, je pense qu'on aurait beaucoup plus de stabilité. Et enfin, si vous regardez dans nos pays, dans la crise actuelle, que ce soit au Mozambique, au Mali, au Cameroun, au Nigeria, et au Burkina,
Vous voyez que là où il y a la crise, il y a toujours un peu de ressources, ou voire beaucoup de ressources. Et il est bon de lier crise et existence de ressources, et donc à la gestion, à la bonne gestion. Et tant que les populations auront l'impression qu'ils sont spoliés et que leurs intérêts ne sont pas pris en compte, on aura des difficultés. Et pour pouvoir gérer tout ça dans des pays aussi vastes que les nôtres, il est important de responsabiliser les chefferies traditionnelles et les pouvoirs locaux, mais aussi que les représentants des collectivités, les différents représentants, soient justes et corrects. C'est souvent ces injustices-là, ou cette perception d'injustice, qui amène en tout cas le conflit à perdurer. On peut discuter longtemps, mais comme je sais qu'on n'a pas le temps, je m'arrête là. Alors, monsieur le ministre. Je vais demander à ma sœur de repréciser le fond de sa pensée. Alors, quel verdict ? Quand on est citoyen d'un pays, souvent malheureusement, n'oubliez pas que depuis le sommet de la Bonne et le fameux discours du président François Mitterrand, qui avait enclenché toutes les révolutions dans notre sous-région, en disant que l'aide publique au développement sera donnée aux pays qui vont introduire le multipartisme. Et donc le Mali, excusez-moi de citer votre pays, le premier chef d'État qui est tombé, c'est Moussa Faraï. N'est-ce pas? Les jeunes sont descendus dans la rue parce qu'ils étaient soutenus par la France pour changer le régime. ATT est venu, il est parti, il a enlevé son képi pour revenir civil, etc. Alors, très souvent, vous n'avez pas la possibilité de réussir dans votre propre pays parce que soit vous appartenez à l'opposition, soit parce que votre tête ne plaît pas, soit parce que, à cause du phénomène, excusez-moi d'être beaucoup plus franc, de la corruption, on vous dit au Mali, monsieur Koliban, si vous voulez que moi, ministre des Finances, je vous donne une affaire, vous devriez me donner quelque chose en retour. Mais je sais que vous ne pouvez pas le faire parce que si vous le faites demain, vous allez dire, vous voyez, la voiture dans laquelle M. Abidou circule, c'est moi qui lui ai offerte. Et là, vous allez me détruire. Donc, que font les gens? Et je peux vous citer des centaines de cas que j'ai connus à travers mes 40 ans d'expérience sur le continent. Les gens se redéploient ailleurs. J'ai vu des Guinéens de Conakry qui sont partis faire une fortune colossale aux Zaïre du temps de Mobutu, n'est-ce pas, alors qu'ils ne pouvaient pas investir un sou parce que le régime de feu Sékou Touré ne leur permettait pas de le faire. Je peux vous citer des cas, n'est-ce pas, de gens qui sont au Soudan, qui sont partis investir au Yémen ou bien en Éthiopie, parce qu'on ne pouvait pas les laisser investir. Donc considérez, c'est ce que j'ai dit à ma sœur, ne considérez-vous pas comme sénégalaise, mais comme africaine. Là où il y a de belles opportunités pour vous d'investir, il faut y aller. Donc il faut être prêt à assurer une mobilité très forte, n'est-ce pas? Allez-y, l'espace CDRO vous donne la possibilité de vous installer librement, hein, que vous alliez au Burkina, au Mali, au Ghana, au Nigeria, etc. Malheureusement, dans les autres zones, vous n'avez pas cette liberté de vous installer, de travailler, etc. Donc, rapidement, parce que je vois que la délégance souhaite aussi répondre. Moi, je donne un point de vue sur la base de l'expérience vécue, donc c'est un retour d'expérience de terrain que je voudrais partager avec vous. Ce n'est pas de la théorie. Mais c'est des cas réels, concrets que nous vivons tous les jours. N'oubliez pas qu'il y a encore le tribalisme, qu'il y a aussi beaucoup de problèmes sociopolitiques, n'est-ce pas, qui se posent aujourd'hui. Si vous êtes vert ou rouge ou bleu sur le plan politique aussi, ça peut influencer un peu l'évolution de l'Europe. Et n'oubliez pas, et on ne l'a pas dit, que très souvent les gens qui sont au pouvoir exigent de la communauté des hommes d'affaires de financer leur propre parti politique. Sinon, on vous ferme les portes. Merci. Alors, monsieur le délégant a levé la parole, a levé la main, pardon, et si quelqu'un d'autre veut réagir, sur la question de la diaspora qui a été posée. Je vois après Abou Diop de Mazars. Donc, monsieur le délégant, rapidement, vraiment rapidement, puis Abou Diop du cabinet de Mazars, parole. Thank you very much. I'm interested in that, but I'll be curious to know where the madam who has the question got the data that citizens in diaspora are not investing in Africa. I had a contrary view. For example, in the case of Nigeria, in a recent study, showed that even remittance from citizens outside the country, which is considered official as part of the foreign direct investment, is even more than yearly budget of Nigeria. That's a remittance alone in different sectors. To me, I think
The story is different, and I think the paradigm has changed. Thank you. Oui, je vais abonder un peu dans le sens de ce que vient de dire Monsieur Adelégan, en saluant ma sœur Anissa Rowe, que je vois avec grand plaisir. On milite beaucoup ensemble sur les sujets de diaspora. Et donc, effectivement, je pense que pour la diaspora aussi, l'attractivité est essentielle, hein, parce qu'on parle d'attractivité pour les investissements directs étrangers, mais l'attractivité pour la diaspora aussi est clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que les conditions soient réunies pour que la diaspora soit elle aussi investisseur dans le pays. Et on le voit effectivement aujourd'hui, soit à travers des mécanismes de diaspora bonds, il y a des pays qui arrivent à attirer en canalisant les investissements de la diaspora, soit à travers des investissements directs avec notamment des ouvertures de capital qui sont réservées en partiellement à des diasporas dans un certain nombre de pays. Donc la diaspora est active, même si effectivement, on souhaiterait qu'il y ait plus de politiques orientées pour capter l'investissement de la diaspora. Je pense que, comme l'a dit Sidi Adelégan, il y a des évolutions qui sont faites, il y a de plus en plus d'institutions qui s'y mettent, mais on n'est pas encore là, et il faut que aussi cette diaspora ait confiance dans leur pays, et ce n'est pas toujours le cas. Alors, rapidement, Yannick Lefray. Oui, je vais juste rajouter que moi, je suis un membre de la diaspora, et que, comme vous l'avez dit tantôt, En créant ma compagnie, j'ai dû me demander où est-ce que j'allais m'installer. Ce n'est pas mon pays d'origine, en fait. Et ça, c'est dû à l'attractivité. Et donc, on a quand même, vu de la diaspora, une vue d'ensemble sur le continent. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis installé au Kenya. Et j'ai aucun problème avec ça. Et vous êtes Camerounais. Et je suis Camerounais. D'accord. Alors, Yusra Bourabi, puis Michel Arifi. Oui, je voulais juste rajouter qu'il existe un mécanisme de l'Union africaine qui est dirigé par le département CIDO, C-I-D-O, et qui est en charge d'encadrer la diaspora, d'aller à son encontre et de l'informer des possibilités qu'elle a pour revenir au continent, que ce soit pour investir ou pour d'autres types d'activités. Mais c'est peu connu, donc je pense que ça mérite d'être souligné. C'est important. Pour conclure sur le sujet de l'attractivité rapidement, en fait, au-delà des risques qu'on a évoqués, etc., l'attractivité est réelle sur le continent africain. Il y a très peu de continents aujourd'hui qui présentent des opportunités de croissance, ne serait-ce qu'en termes de croissance du PIB. Là, aujourd'hui, il y a quasiment 40 pays sur les 44 ou 45 pays que contient le continent qui font une croissance qui dépasse les 2%. Donc, on a plus de 90% de pays qui présentent de la croissance. Certes, il y a des risques, mais il faut y croire, l'attractivité est là, il faut presser et il faut en tenir compte dans l'investissement. Alors avant la conclusion de M. Gorff de l'Institut Amadeus, je donne la parole au professeur Tesson de l'Université d'Abidjan. Merci. Je ne vous ai pas oublié. Oui, très, très rapidement, je voulais dire que ici nous avons parlé d'attractivité, mais surtout du côté financier, hors du continent africain. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on doit prêter attention à l'attractivité des talents. Donc dans nos pays, il faut regarder un peu la politique de trading. Est-ce que si je suis de la diaspora et que j'ai une expérience dans un domaine particulier, est-ce que je peux avoir la possibilité de bénéficier de financement ou même en fait, par exemple un projet dans notre pays? Merci. J'avais oublié Jérôme Obélé-Okoura, Ernest Bougabou. Merci. Alors je vais juste terminer sur deux suggestions, hein, d'évolution des indices Amadeus. Alors peut-être c'est déjà pris en compte, mais ce n'est pas clairement mis en relief. Le premier point, je pense que c'est intéressant de mesurer le respect de la signature des États. De nombreux investisseurs viennent en Afrique et signent des contrats avec des États, et l'expérience nous montre aujourd'hui un contentieux important, notamment au niveau de l'arbitrage. Alors heureusement, hein, les États n'ont pas toujours tort lorsqu'on lit les sentences qui sont rendues par des arbitres. Mais ça montre bien qu'il y a sans doute un élément que l'on peut prendre encore pour mesurer cette attractivité-là. Est-ce que les contrats conclus avec les investisseurs par les États sont généralement respectés? Deuxième suggestion, c'est concernant justement les facilités d'entreprendre. J'ai bien constaté que c'est une rubrique qui est prise en compte dans l'attractivité au niveau des indices Amadeus, mais peut-être mettre en relief à ce niveau-là, justement, et ça fait une proposition qui a déjà été évoquée sur la mobilité, c'est de se demander finalement, chaque État africain, combien de pays chaque État africain est capable justement d'accueillir sans nécessairement exiger un visa.
le nombre d'affaires a besoin de se déplacer très facilement. Donc l'évidence, c'est qu'un élément incontestable d'attractivité, d'être capable de prendre uniquement son passeport, d'acheter son billet, d'aller sur n'importe quel pays africain, sans nécessairement les contraintes de visa. Donc je pense qu'il y a un indicateur à prendre pour voir sur le continent quel pays finalement on peut y accéder plus facilement sans visa qu'un autre, et comment on peut faire pour améliorer les choses. Merci, monsieur Okura. Alors, je laisse à plat un dernier mot alors, avant la conclusion. Juste un mot pour dire par rapport à notre sœur, qu'il y a une étude de African Future Institute de notre frère Alioune Sall, l'Afrique à l'horizon 2025. Il dit que l'avenir de l'Afrique, l'émergence de l'Afrique viendra essentiellement des Africains de la diaspora. Et c'est important de savoir. On en parlera à la partie. À l'usage de l'Institut des futurs Africains. Très beau. Je crois qu'on n'a vraiment pas le temps à dire. On peut discuter après, je pense. Par contre, c'est important, avec toute la somme de propositions, d'ébauches et de pistes, de redonner la parole à M. Dalekhoff de l'Institut Amadeus pour en tirer la conclusion de la substantifique de tout ce qui a été dit et voir comment on les intègre. Merci beaucoup. Je vais peut-être réagir à quelques éléments qui nous ont été proposés dans le débat. Évidemment, nous sommes dans un processus d'enrichissement et c'est l'intérêt de l'exercice. Je voudrais peut-être mettre les pieds dans le plat sur quelques sujets parce que là, on finit sur les questions de diaspora et les questions de mobilité humaine. Je crois qu'il faut qu'on arrête et on doit penser que les Africains sont des bipèdes anormaux, que nous sommes des bipèdes qui devront être arrêtés à toutes nos frontières. Déjà, les autres nous arrêtent à leurs frontières, il faudrait qu'on puisse casser nous-mêmes nos frontières pour que nous puissions avoir une certaine mobilité. Et au moment où on parle de zones de libre-échange à l'échelle continentale, il va falloir que nous puissions échanger entre voisins, limitrophes ayant une frontière commune et que nous puissions créer de la richesse pour nos populations, pour servir nos sociétés, de sorte à ce que nous puissions faire du développement. Et les pays, on l'a vu, les pays qui sont fermés sur eux-mêmes sont des pays qui n'avancent pas et l'histoire et la géographie nous le démontrent très simplement. Sur la question de la diaspora, il me semble que nous devons avoir des ambitions, des vrais standards. Alors évidemment, émotionnellement, nous voulons toujours être traités comme une diaspora à part, qu'on nous mette le tapis rouge, qu'on puisse nous chouchouter, parce que les diasporas constituent une manne de devises pour des pays dont les monnaies sont relativement faibles et dont l'attraction d'investissement est faible, et donc tout ce qui peut venir des diasporas est quelque chose d'important. Je crois que les diasporas ont besoin de ce que j'appelle l'ambition des standards. Si les standards d'attractivité sont les mêmes pour un Américain, un Sud-Coréen, un Japonais, ils seront bons pour un gars de la diaspora. Si les standards d'investissement protègent l'investissement, ils seront bons pour les gens de la diaspora. Et en réalité, quand on réfléchit en termes de diaspora, pourquoi lorsque vous avez un Sénégalais, un Ivoirien, un Camerounais, auquel on offre un poste à partir de Londres, de Paris, de Bruxelles, de Washington, en termes dans son pays d'origine, il dit non, je voudrais bien y aller, mais avec un statut d'expatrié. En fait, je veux retourner dans mon pays, mais en tant qu'étranger. Bon, ça, il y a un problème. Bon, on se pose des problématiques un peu complexes, alors que le standard est très simple. Si nous avons dans nos pays un environnement qui fait que les individus ont l'éducation, la santé, la responsabilité civile, etc., ben, tout le monde va être heureux et il n'y a plus de lieu de se poser des questions. C'est l'intérêt de ce qu'il faut travailler dans nos pays. Ça, c'était pour les deux derniers sujets. Je vais reprendre rapidement quelques éléments qui m'ont interpellé. D'abord, lorsqu'on se pose la question des indices au niveau de l'institution indice, c'est de se poser fondamentalement la question de regarder l'Afrique à partir de l'Afrique. Et je crois qu'il faut qu'on acquiert, puisque beaucoup d'entre nous autour de cette table ont été éduqués au sens américain du terme, enseignés, got their education in the Western countries, donc éduqués dans d'autres pays, je crois que nous devons simplement revenir à se poser la question du paradigme, de dire
La notion de risque, vue de Paris ou de Yaoundé, ne sera pas la même. Parce que la notion d'impayé ne sera pas la même dans une relation autochtone que dans une relation de multinationale. Alors je comprends bien, quand on est assureur à l'exportation, on va gérer les intérêts de ceux qui viennent acheter l'assurance chez l'assureur pour les exportations. Mais dans les transactions quotidiennes qu'il y a en Afrique, on se fait confiance parce qu'il y a des décryptages de langage. And it's not in English, ce n'est pas en français, c'est dans la langue locale que se fait cette prise de confiance. Donc je crois qu'il faut simplement, quand on parle des réalités, il faut se redonner le sens pour dire les indices que nous devons construire ensemble doivent être des indices qui permettent de designer, de penser ces indices from Africa, for Africa, and then from Africa for the other players in the world. Et c'est vraiment comme ça. Si on est d'accord et qu'on a pas quelque chose qui a du sens, on peut le vendre aux autres en dehors du continent. Ça m'amène, et je vous remercie, M. Mbo, parce que j'ai beaucoup apprécié cette notion de je vais revenir aux industries créatives, mais je voudrais merci d'avoir dit simplement que à partir du récit africain, on fait rêver le monde. Mais il se trouve qu'on fait rêver le monde à travers le récit ancien. Aujourd'hui, on doit faire rêver le monde à travers un regard plus objectif du présent pour construire ensemble le futur. Et donc, on doit faire rêver le monde à partir de ce que nous tenons en main parce que nous devons le tenir avec responsabilité. Et je crois que cette image de faire rêver le monde me plaisait parce que je crois que c'est un peu notre défi. Nous avons beaucoup de points qui ont été cités sur les questions d'ordre fiscale, sur les questions de capacité à rapatrier ses résultats, ses bénéfices, sur la question de l'exit, de ressortir d'un marché, sont souvent traités dans d'autres indices qui sont pris dans les éléments qu'il y a, dont entre autres, de doing business. Parce que si vous ne pouvez pas rapatrier vos résultats et votre capital, ben évidemment, vous serez moins bien scoré que lorsque vous êtes. Et donc, ces indices déjà intègrent ces éléments, nous devons le reprendre. Par contre, il y a un élément qui me semble important, et c'est en regardant notre panel que j'en ai pris conscience et que je voudrais en faire la proposition aux collègues au sein de la Survenus, c'est que je crois qu'il est essentiel de rajouter un indice qui va être important pour l'avenir de l'Afrique, qui est celui du Gender Equity Index, parce qu'avoir deux femmes avec autant d'hommes autour d'une table, c'est inadmissible, et même en Afrique, ce ne doit plus être possible. Et je pense, je le dis très sérieusement, je veux dire, au-delà de toute démarche populiste, on ne peut pas demain, en Afrique, faire le développement en unijambiste. On doit faire le développement avec les femmes et les hommes. Et si on a les deux jambes, on doit courir avec les deux jambes. Et je crois que c'est dans ce sens qu'il faut le penser, parce qu'on a besoin de toutes nos ressources. Ensuite, il y a la question du capital humain. L'indice que nous tenons compte est un indice de niveau d'investissement par rapport au PIB, c'est la part du budget. Et ensuite, il est bien, c'est un premier pas. Mais simplement, les défis que nous avons dans nos différents pays, dans les Afriques, dans la diversité africaine, fait que nous devons nous poser la question d'aller plus loin sur l'efficience et le retour sur investissement. Et je crois qu'on doit laisser les expériences qui nous permettraient d'avoir une meilleure efficience pour casser les linéarités et chercher un meilleur impact sur les populations en termes d'éducation nous permettre de réfléchir pour enrichir l'indice. Les questions d'industrie créative, il me semble qu'il y a là quelque chose d'extrêmement important dont il faut tenir compte, c'est le intangible capital ou le capital immatériel, parce qu'il reprend les industries créatives, mais il reprend tout le reste. À titre d'illustration, au Maroc, on vient d'avoir au sein du patronat une fédération, au sens propre du terme, organisée avec l'ensemble des industries créatives, qui s'appelle la Fédération des industries créatives et culturelles. Et donc, nous considérons que c'est non seulement quelque chose qui peut produire de l'emploi, mais c'est une reconnaissance déjà pour un certain nombre d'emplois qui existent et qui font que tout ce qui se fait, que se crée en la matière, peut permettre d'avoir le sens. Je crois que cette dimension immatérielle, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir
utilisés pour enrichir les différents indices dans l'année. Sur la question de la mobilité et la question de l'intégration régionale, nous devons renforcer absolument la capacité, ça a été dit tout à l'heure, de mobilité. Ça a été prononcé par Abdoudur sur la question de connectivité. Et la question de connectivité, je vais prendre des illustrations toutes simples. Je posais la question dans un forum à un ministre des Affaires étrangères éthiopien qui venait de l'Est au Maroc en lui disant « How did you fly from Ethiopia to Morocco ?» And the answer was « I flew via Istanbul ». Donc nous sommes le seul continent où pour aller dans le même continent, nous avons besoin d'aller dans un autre continent. « I don't know how did you fly from Joburg ?» But I'm sure you had to leave our continent to come back to the continent. Et même en termes de taux carbone, c'est franchement pas bon pour l'environnement. Et en coût pour l'Afrique, mesdames, messieurs, je crois qu'encore une fois, ce n'est pas bon. Et donc je crois que la question de mobilité, de connectivité, doit être quelque chose qui nous permette de renforcer cette intégration générale. Je crois que tout ce qu'on peut faire pour pousser dans ce sens pourrait avoir du sens, parce que, in fine, ça veut dire que si on règle ces questions-là, ça veut dire que nous avons développé quelque chose que les players en dehors d'Afrique vont regarder, c'est que les Africains se font confiance. Et si les Africains se font confiance, c'est un premier pas pour avoir la confiance des autres. Je vais finir sur un dernier point, qui est qui est celui de rendre l'Afrique un peu plus sexy qu'on nous présente en général, quelle que soit la problématique d'afro-optimisme ou d'afro-pessimisme. Il y a des situations sur d'autres continents, je pense à l'Amérique latine, je pense à l'Asie, qui peuvent être similaires ou dans certains cas pires que ce qu'on peut trouver dans nos pays. Mais simplement, il se trouve que les médias et les organismes qui gèrent des indices viennent en général de pays industriellement avancés, et leurs regards sont des regards réellement subjectifs. Je pense que nous devons absolument, à chaque fois qu'on peut, intellectuellement, parce que nous en avons les moyens, opposer à d'autres regards qui viennent d'ailleurs, le regard qui partirait de l'Afrique. Je vais conclure en disant simplement, il y a 48 heures, j'intervenais dans une conférence à Boston, et je disais quelque chose d'extrêmement simple, et je crois que nous autres autour de cette table, on le voit, et je fais la relation avec la notion de diaspora. Je ne comprends pas pourquoi, pour faire un forum pour parler de l'Afrique, on va réunir des gens à Paris, à Londres, à Washington, pour dire, on va partager avec vous ce qui se passe en Afrique. On ne peut pas comprendre l'Afrique à partir de Washington comme on comprend l'Afrique à partir de l'Afrique. On ne peut pas rêver, construire, bâtir l'Afrique à partir de Paris, de Bruxelles, de Francfort ou de London comme on peut le faire à partir de Nairobi, comme on peut le faire à partir de Kigali ou de Tanger. Merci. Tadej Rolfi de l'Institut Urbain de Lille. Je vois que Brahim Fassifiri est avec nous. On va lui donner la parole. Brahim, la parole est à vous. Brahim Fassifiri. Cher Ousmane, je tiens tout d'abord à m'excuser pour mon absence, mais comme vous le savez, je dois, pour des impératifs de protocole, recevoir, accueillir et surtout remercier plusieurs chefs d'État qui sont présents ici, que j'ai dû accompagner à l'aéroport. Donc, je pense que tout a été dit, mais je voudrais quand même préciser que l'objectif fondamental de ces deux indices réside dans le fait qu'une structure africaine, un think tank africain, mais également avec nos partenaires africains, et je vois mon frère Franklin Kodjo d'Yémani, mon grand frère Koulibaly, et l'ensemble des acteurs présents sur cette table, le professeur Joseph Abélégal, le professeur Nguessan, mon frère Abdou. Et je suis sûr qu'avec votre contribution, ces deux indices deviendront
des indus institutionnalisés avec un branding made in Africa. Et l'objectif, et ça a été certainement dit par les intervenants lors de cette table ronde, c'est que l'Afrique elle-même soit capable de transgresser ceux et celles qui nous jugent et qui nous donnent des bons points et des mauvais points. Et je crois que c'est l'objectif fondamental de notre travail. C'est des indices qui ont été créés en 2012, qui ont été au fur et à mesure enrichis par de nombreuses contributions. Et si nous avons voulu mettre au programme de cette 12e édition une réflexion beaucoup plus approfondie sur la construction de ces indices, c'est pour en faire deux indices institutionnels qui puissent avoir une crédibilité et qui puissent, à l'avenir, être les phares, si vous voulez, de l'attractivité et de la stabilité par un think tank africain porté par ses partenaires africains, dans le cadre également beaucoup plus global du Forum BTS. Alors évidemment, l'ensemble de vos contributions et vos propositions sont entendues, sont écoutées, et je suis convaincu que l'année prochaine, lorsqu'on aura l'occasion de se retrouver, Inch'Allah, une nouvelle fois ici à Tanger, l'objectif et la feuille de route que nous allons tracer aujourd'hui seront atteints pour faire de ces deux indices des vrais outils de comparaison, de benchmark, de lecture, à la fois en termes d'attractivité, mais aussi en termes de stabilité des pays du continent. Donc, encore une fois, moi, je tenais à vous remercier, parce que je suis convaincu que votre apport va être décisif dans cette, à la fois la promotion de ces indices, mais également leur enrichissement. Et je ne vais pas être très long, parce que je n'ai pas de légitimité à parler alors que j'interviens une heure et demie après le départ de cette table ronde. Mais je tiens sincèrement à vous remercier du fond du cœur pour votre contribution. Pour moi, c'est évidemment un signe de crédibilité déjà de cette approche, mais surtout un signe de fraternité par rapport à la contribution d'institutions africaines au développement du continent et à la promotion de la stabilité et de l'attractivité du continent. Et il est temps que l'Afrique se prenne en main aussi lorsqu'il s'agit de mettre en valeur ce qui va ou ce qui ne va pas à travers des indicateurs importants, des indicateurs qui aident les acteurs aussi économiques à prendre des décisions. Donc je vous remercie. Merci Brahim pour cette conclusion. J'essaie qu'il y a encore des questions. Malheureusement, nous sommes obligés de mettre fin à ce panel. Je vous invite à poursuivre la discussion. Merci à monsieur le ministre Jean-Jacques Sanzé, merci à tous nos panélistes, et puis bon, désolé, j'ai dû faire la pause du temps, et on vous invite à faire une photo avec Brahim Fassi-Fihri et tous les panélistes. Merci beaucoup, très bonne soirée.